prochain témoin, je l'espère, vous rendra plus bavard. Entrez. Vous l'aviez enfermé. Pourquoi? Vous redoutiez son audition? Non. J'ai là votre déposition. En maintenez-vous les termes? Oui. Vous savez que ça peut être lourd de conséquences. C'est la vérité. Votre petit-fils affirme qu'il n'a jamais été enfermé dans cette cave. Il affirme... Je vais vous la lire. C'est assez plaisant. Depuis ma plus tendre enfance, je travaille dans cette cave. Étant né sous le signe du bélier, qui est un signe de terre, les puissances telluriques ont sur ma vie intellectuelle un influx considérable. Après chaque voyage, quand je reviens au domaine, je fais retraite dans cette cave. Je crains les grands espaces. Cet univers restreint est propice à la méditation et à la lecture. Saint Thomas, Pascal, Descartes, Kant, Marx, Mao. Vous avez oublié Kierkegaard. Veuillez m'en excuser, monsieur le juge.